Hey, bonjour à tous et bienvenue sur Aventure Kayak. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour vous montrer les filtres à eau, puisqu'il y a pas mal de questions à chaque fois sur ce sujet. Lors des expéditions, lors des balades, qu'est-ce qu'on emmène pour filtrer l'eau, pour utiliser correctement l'eau de la rivière, etc. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo un peu le matériel que j'utilise. J'ai plusieurs choses, j'ai quatre filtres différents selon les situations. Je vais vous montrer tout ça, on va gonfler le matériel qui est là-bas, on va partir sur l'eau et je vais vous montrer tout ça, à tout de suite. Bon alors du coup, quel filtre à eau utiliser pour quelle utilisation? Alors moi déjà, ce que je conseille, c'est d'éviter d'utiliser les filtres à eau si jamais on part juste à la journée. Hein. Tu es capable de remplir une petite gourde d'eau et puis de l'emmener avec toi. Hein. L'eau du robinet, ça marche très très bien. Donc t'emmerde pas à essayer de filtrer ton eau pour la journée. Ça vaut pas le coup, hein. Clairement ça vaut pas le coup. Par contre, quand tu pars à partir de 2 jours, effectivement là ça commence à devenir compliqué de se dire bon, j'emmène plusieurs litres d'eau pour ma balade, et là franchement ça commence à être compliqué autant au niveau poids que au niveau capacité de stockage quand tu pars, puisqu'évidemment light is right comme on dit, donc vraiment le poids c'est ton ennemi quand tu pars en kayak. Donc voilà, là les filtres à eau, ça une importance. Je vais t'en montrer deux déjà. C'est ces trucs-là, deux marques différentes. Une, c'est Life Straw. Et une autre, c'est Katadyn. Donc on a la Be Free ici. Et on a la Go ici. Qui sont sensiblement pareilles, mais avec une petite différence qui fait toute la différence pour le coup. Celle-ci, c'est une gourde classique. Donc, on a un filtre. Alors, comment ça marche les filtres? Ce qu'il faut savoir, c'est que les filtres, la plupart des gourdes, de toute façon, vont avoir un filtre comme ça. Alors, je ne sais pas si on voit, on a des petits filaments en fait à l'intérieur de cette cartouche. Ces petits filaments vont... je te laisserai regarder sur les caractéristiques des gourdes, mais à chaque fois, ça file 99,99% des bactéries, des protozoaires. Celle-ci a une particularité en plus, c'est ça. C'est qu'une fois que l'eau est filtrée, ça passe aussi dans une cartouche de charbon actif qui permet d'enlever les mauvais goûts, les mauvaises odeurs. Ça enlève le chlore, ça enlève aussi certains produits chimiques de type pesticides, des choses comme ça. Alors ça enlève pas tout. C'est pour ça que je dis, si vous pouvez partir juste à la journée, n'hésitez pas à emmener de l'eau vraiment potable. Parce que le problème dans nos rivières, c'est qu'on a des champs à côté qui utilisent pas forcément des produits naturels. Donc du coup, quand il pleut, ça se déverse dans l'eau et après, toi, tu la bois. Donc ça a beau filtrer pas mal de choses, les pesticides, ils vont quand même partir directement dans ton corps, ce qui n'est pas forcément l'idéal. Donc voilà, ça c'est cool. Donc tu mets ton eau dedans. Ensuite, tu as la petite paille, c'est une gourde classique. Tu aspires et voilà, tu as ton eau filtrée en direct. Tu n'as pas besoin d'attendre, ton eau est filtrée tout de suite. Ensuite, on a cette petite gourde là. Alors on va voir, le filtre, il est beaucoup plus petit. Alors après c'est sur le même principe, voilà, c'est sur les filaments comme ça. Là il n'y a pas de cartouche de charbon actif. Voilà, c'est vraiment juste pour éliminer les bactéries, etc. Pareil, petite pipette ici. Donc du coup, une fois que c'est fermé, eh ben, tu as juste à aspirer. Mais le gros avantage de cette gourde, c'est que c'est une gourde, moi ce que j'appelle squeeze, c'est-à-dire que, je vais la remplir, je vais te faire voir, tac, tu la squeeze et ton eau, elle sort filtrée directement. Le gros avantage de ça, c'est que du coup, bah, ça te permet de remplir une casserole d'eau. Donc si tu veux te faire à manger le soir, eh ben, au moins tu as une eau qui est filtrée. Donc t'es pas obligé, enfin voilà, parce que le problème de cette gourde là, c'est que tu peux juste la boire dans ta gourde, tu peux pas la verser quelque part dans un autre récipient pour faire à manger. Avec celle-ci tu peux, l'eau elle ressort filtrée. Alors il faut y aller, hein. Faut déjà appuyer comme un gros bourrin évidemment, hein, parce que sinon ça filtrerait pas si ça sortait facilement tout seul. Donc ça c'est top pour faire à manger. Donc ça c'est top.
Vraiment, vraiment génial. C'est des gourdes qui coûtent pas très cher, qui coûtent pas très cher du tout. D'ailleurs, je vous mets un lien dans la description. Faut pas hésiter à aller sur ce site-là. C'est mon partenaire là pour vous proposer ce genre de gourdes. Donc, n'hésitez pas à aller sur ce site-là. Il y a tout ce qu'il vous faut. Il y a aussi les recharges, parce que ce qui est important, c'est que du coup, ça a une durée de vie. Alors, la durée de vie, elle est très très longue, parce qu'un filtre comme ça permet de filtrer entre 1000 et 2000 litres, je crois. Donc, le temps que tu boives tout seul 2000 litres, t'as déjà de quoi venir. Moi, j'ai jamais changé les filtres hein, pour l'instant. Ce qu'il faut savoir, c'est que les filtres, tu les changes que quand ça fonctionne plus. Donc, au moins, t'es peinard. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'eau, tu vas plus pouvoir l'aspirer, tu vas plus pouvoir la filtrer. Donc, ça veut dire qu'il faut changer le filtre. C'est-à-dire que voilà, il est arrivé à son terme. Les cartouches de charbon actif, ça, tu peux les changer. Ils conseillent tous les. Je crois que ça va assez vite, ça c'est tous les 100 litres, quelque chose comme ça. Donc ça, faut les changer un peu plus rapidement, mais c'est pareil, les petites pastilles, tu peux trouver ça sur le site, etc. Donc n'hésite pas à aller checker ça. Moi, je vais continuer ma petite balade et puis je vais vous présenter les autres trucs que j'utilise. En complément d'ailleurs de ça, vous allez voir, c'est plutôt intéressant. Bon, il fait pas très très beau aujourd'hui. Hein. Là, on est quoi? On est début juin. On est le 6 juin. On a eu une super semaine de beau temps, je sais pas comment ça a été chez vous, mais on a eu 10-15 jours de super beau temps, c'était presque la canicule. À mi-mai là, mais depuis c'est gris. Alors il pleut pas énormément parce que bon les rivières par chez moi elles sont pas à sec mais presque. Mais par contre il fait gris tout le temps, donc bon il fait pas froid donc je vais pas me plaindre, mais il y a toujours un peu de vent et puis il fait un peu grisâtre, alors c'est pas dingue, mais bon, hein, ça fait l'affaire. Pour pouvoir sortir sur l'eau et quand même aller s'éclater. Est-ce qu'elle est pas sympathique, cette petite maison, avec cette petite terrasse là, avec la vue bah forcément sur la rivière. Sachez qu'on est du côté de Fercé sur Sarthe. Ça c'est une maison d'hôte. Il y a un ponton ici pour embarquer et pour débarquer. Il ne faut pas hésiter à me demander si jamais vous voulez des infos pour passer un peu de temps ici. Cette maison est sympathique. Alors la nuit, hein, c'est pas du camping, on est sur une maison d'hôte, donc je crois qu'on est autour de 100 euros la nuit, quelque chose comme ça. Mais après, le coin est plutôt sympathique. Hein. On a une belle rivière. On a un courant qui est plutôt contenu, donc on peut faire un aller-retour facilement vu qu'il y a un barrage qui est pas trop trop loin là-bas. Donc non, un endroit plutôt sympathique pour passer un petit séjour en Sarthe, je pense, ici. Bon, on va s'arrêter là et je vais vous montrer la suite du programme. Troisième chose que j'utilise, c'est le Steripen. Steripen, qu'est-ce que c'est ? Steripen, c'est un système de filtration UV. Là, quand on l'ouvre, on voit il y a une petite lampe UV. Et ça, c'est génial. Parce que autant la petite gourde là et les petits filtres, ça filtre donc les bactéries, les protozoaires, etc. à hauteur de quasiment 100%. Par contre, ce que ça ne fait pas, c'est les virus. Puisque les virus sont beaucoup plus petits que les bactéries. Donc, alors attends, je suis en train de me foutre dans des branches, hein, voilà, ça sera mieux. Oui, je disais, les virus, c'est beaucoup plus petit, donc ça passe à travers ces filtres. Et je peux vous dire qu'une fois, je me suis retrouvé sur l'Allier avec un pote en expédition, on s'est chopé un virus, ça nous a arrêté net, direct, on n'a pas pu continuer, j'ai jamais été aussi mal de ma vie, alors que pourtant, ça faisait des années que j'utilisais des trucs comme ça et que j'avais jamais été malade. Et depuis, j'ai acheté le Steripen. Donc en fait, le Steripen, comment je l'utilise? Moi, le Steripen, je l'utilise en filtration primaire. C'est-à-dire que... Alors attends, je vais vous montrer avec ma gourde ici. Ce que je fais souvent, c'est que j'ai cette gourde-là. Je l'ouvre. Je la remplis de flotte. Et en fait, ce petit truc, dès que tu le mets dans l'eau, il y a les petits capteurs ici sur les côtés. Ça s'allume, donc il y a la lampe UV qui va s'allumer. Je vais faire un test, je ne sais pas si on va le voir à la caméra. En gros, voilà, j'ai rempli ma gourde. Je mets ma lampe dedans. Tac, je ne sais pas si on le voit à la vidéo. Si, on le voit à la vidéo. La lampe s'est allumée. Donc là, automatiquement, moi, ce que je fais, c'est que là, je secoue tout ça dans l'eau.
Alors ça dure à peu près, de toute façon la lampe s'éteint automatiquement, ça va durer 1 minute 30, voire 2 minutes je crois. Et en fait ça déjà, ça va supprimer tous les virus, toutes les bactéries. Alors ça vraiment, ça supprime tout ce que les autres filtres suppriment. Donc de base, ça filtre tout ça. Donc moi ce que je fais, voilà, filtration primaire, je commence par ça. Voilà. Et une fois que c'est fait, bon là je vais pas vous faire la démo, voilà, de toute façon ça s'arrête automatiquement dès que tu l'enlèves de l'eau. Tac. Et en fait, une fois que c'est fait, eh ben je remets mon filtre. Et puis bah voilà, là mon eau est déjà filtrée dans le sens où toutes les bactéries, tous les virus sont déjà morts. Et du coup, le filtre secondaire, eh ben ça te permet d'enlever au cas où, vraiment au cas où, ça n'avait pas marché complètement. Et bah t'as le filtre là, ça enlève aussi mine de rien les impuretés, parce que là j'ai fait ça à même l'eau, donc si je le buvais comme ça, il y avait peut-être des petits, je sais pas, des petits bouts de feuilles ou je ne sais quoi dedans. Et bah là en le mettant en plus là-dedans, et bah automatiquement ça vient filtrer en plus. Donc voilà, double sécurité, moi j'utilise que ça maintenant, j'ai jamais été malade. Voilà, et je vais vous montrer le dernier. Je range tout mon bordel, hein, vous m'excusez. Et le deuxième, c'est ce truc là. C'est le Life Straw Flex. Donc en fait, c'est un filtre à gravité. En fait, on a une poche avec un tuyau et une petite paille. Alors sachez que cette paille là, déjà, alors ce qui est bien avec ce truc là, c'est que ça a plein d'utilisations. Ça, c'est la paille filtrante. Donc comme les autres, on voit, il y a les petits trucs blancs là qui filtrent. On a aussi une capsule de charbon actif là dedans. Donc bref, ça déjà de base, en fait on peut l'utiliser, on met cet embout là dans l'eau, on ouvre ça et on aspire, et déjà voilà, l'eau est filtrée déjà de base en mettant juste la paille dans l'eau. Donc ça peut être pratique. Mais l'intérêt de ce truc là, c'est qu'on a un tuyau que l'on va mettre ici, le deuxième embout, on le connecte à la paille. Et vous aurez compris, on met de l'eau dans ce truc là, on le pend à un arbre, et du coup, et ben là ça va faire du goutte à goutte. Alors c'est super long. Ça s'utilise pas pour avoir de l'eau en 5 minutes. Hein. Ça en fait tu l'utilises en bivouac, tu arrives sur un spot de bivouac, tu remplis ton truc, tu l'accroches à un arbre, tu fous ça dans ta gourde qui est posée par terre, et tu laisses faire le truc pendant que tu montes ton camp, machin, tu fais ton feu. Là t'es peinard, t'es tranquille. Et en attendant, ta gourde elle va se remplir toute seule, elle sera filtrée. Et après, moi ce que je fais généralement, c'est que j'en mets un petit coup de stéripène hein, derrière, voilà, comme ça au moins je suis sûr. Mais voilà, ça je l'utilise assez rarement finalement parce que c'est assez long. Alors ça a l'avantage de au moins tu laisses le truc faire et puis il gère tout seul, donc ça c'est bien. Je l'utilise vraiment en camp, voilà, quand j'ai pas mal de choses à faire dans le camp et que je suis assez pressé, voilà, je veux faire deux choses en même temps, ça c'est pas mal. Mais sinon l'avantage c'est que t'as aussi le petit tuyau ici. T'as souvent des petits sacs à dos, tu sais, que tu peux choper chez Decat là, ou que t'as un petit tuyau là qui vient sur les sacs de randonnée, les sacs de vélo, etc. pour pouvoir avoir une poche à eau derrière. Et ben en fait, tu peux mettre dans l'eau de ta poche à eau de l'eau non filtrée, de l'eau de rivière. Et en fait, au lieu d'avoir l'embout classique, et ben tu connectes ta petite paille dessus. Et en fait, du coup, ben, t'as ta petite paille qui pend là, t'as ton eau non filtrée derrière. Et puis ce que tu fais, ben, t'as juste à aspirer ton eau et la filtrer en direct par rapport à ta poche à eau que t'as dans le dos. Ça peut être pratique. D'ailleurs, le gilet que j'ai, normalement, on peut mettre une poche à eau dedans. Donc voilà, dans l'idéal, on met la poche à eau, le petit truc là qui est ici, et là on est peinard. On évite au maximum l'eau stagnante. Indispensable d'avoir le stéripène si vous avez l'eau stagnante, parce que les virus, il y en a sûrement dedans, ça c'est obligatoire. Donc voilà, on n'hésite pas à filtrer en double. Voilà, il y en a plein d'autres. Encore une fois, le lien dans la description pour aller voir sur le site de mon partenaire. Il y a plein d'autres filtres à eau, etc. Donc faut pas hésiter à aller regarder ça. Ils sont tous sur le même principe, à part le stéripène évidemment. Le stéripène, je crois qu'il n'y a que celui-là qui fait ça. Il y a plusieurs types de stéripène, faut pas hésiter à regarder. C'est pas très très cher. Enfin, c'est pas très très cher. Le stéripène que j'ai là, il vaut 75-80 euros, je crois, aujourd'hui. Les autres filtres, on est autour d'une cinquantaine d'euros. Bon, bref, faut compter une bonne centaine d'euros hein, pour pouvoir filtrer. T'as aussi des filtres à pompe
qui te permet de pomper pour avoir l'eau qui sort en direct, voilà, dans ta popote par exemple. Ça, c'est pas mal aussi. Ça a une plus grosse capacité, ça va beaucoup plus vite. C'est aussi beaucoup plus cher. On est plutôt autour des 150, 200, voire 300 euros selon les modèles. À toi de voir celui qui va te convenir le mieux. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à poser tes questions dans les commentaires s'il y a besoin. Comme d'habitude, tu peux t'abonner, la petite cloche, etc., etc. Tu connais la chanson. N'hésite pas à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc. Et puis, bah, moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !